parole, j'interdis à quiconque de s'élever et de quitter la salle. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui se sont acquises chez les enfants de Dieu, qui nous disent le temps, le temps, le temps. C'est vrai qu'on doit respecter le temps, mais aujourd'hui c'est un culte spécial. Amen. Et le message est très capital. Amen. Alors, ne t'hasarde pas à te dire, dimanche nous n'avons que rendez-vous avec l'Éternel. Est-ce que ça, amen? La parole est d'autant très capitale. Amen. Je demande à tous les enfants de se tenir à leur place. Voilà, nous fermons nos yeux. Nous allons prier pour passer à la parole de Dieu. Amen. Nos yeux fermés. Dieu Père Saint, merci pour la joie débordante que tu déverses dans nos cœurs. Amen. Et dans l'assemblée. Amen. C'est par toi que nous nous réjouissons. Amen. Car ta parole est claire, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Merci pour ta présence. Amen. Je te recommande ces temps de la parole. Amen. Je te recommande, Seigneur oh Dieu, ton peuple que tu as appelé en aussi grand nom. Amen. Sois son Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler d'un grand thème qui est très capital. Pour ceux qui écrivent, nous allons parler du baptême. Donc le message aujourd'hui, c'est le baptême. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà entendu parler de baptême. Il y a parmi nous des gens qui ont déjà pris le baptême. Mais nous voudrons questionner la Sainte Bible. Amen. Nous voudrons être scripturaires, c'est-à-dire, selon l'ainsi dit l'Éternel, selon que Dieu les dispose dans sa parole. Amen. Est-ce que ça, amen? Et nous croyons que beaucoup prendront de décisions pour se faire baptiser parce que c'est samedi à l'océan ou à la mer, à Ostende, nous procéderons au baptême biblique. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent ou qui prétendent qu'ils ont déjà été baptisés, mais quand on regarde dans le fond et la forme, ils n'ont jamais été baptisés. C'est lui qui a introduit les baptêmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Disons les baptêmes chrétiens, parce que le baptême aussi s'est pratiqué par le juif. Mais le baptême pratiqué par le juif avait une autre signification. Il signifiait purification. On se purifiait pour se consacrer à Dieu. C'est comme ça que Jean-Baptiste, quand il est venu, il a aussi procédé au baptême. Et tout le monde allait se faire baptiser. Mais le baptême de Jean était différent de celui des Juifs parce que c'était un baptême de préparation. C'était un baptême préparatif à recevoir le royaume de Dieu et à entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jean, quand il commence le ministère, il dit le royaume de Dieu est proche. Amen. Amen. Nous lisons dans Luc chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 3. Vous y êtes? Amen. Si tu as trouvé, tu dis amen. Amen. Nous lisons Luc chapitre 3 à partir du verset 3. Amen. Et Jean-Baptiste alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance. Amen. Il prêchait quel baptême? Pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans les livres de paroles d'Esaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin de qui? Du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortué sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. C'est alors que toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Ça, c'était le baptême que Jean-Baptiste est allé prêcher dans toute la Judée. Et ceux qui les connaissaient, vous savez, Israël a confiance en ses prophètes. Et comme tout Israël reconnaissait que Jean-Baptiste était un prophète venu de Dieu, tous sont allés se faire baptiser. Ils sont allés où? Auprès de qui? Et celui qui ne se faisait pas baptiser par Jean, il était condamné. Jaël, celui qui ne se faisait pas baptiser par Jean, était comment? Ça, c'est une sorte de baptême.
Le juge elle-même s'est purifié. Vous connaissez ce qu'on appelle ablution. Bien aimé, le baptême a pris différentes formes. Et jusqu'aujourd'hui, on applique le baptême et nous rencontrons toujours des obstacles. Nous rencontrons des obstinations, des gens qui disent, moi je suis déjà baptisé, mais au fond, et dans la forme et dans le fond, il n'a jamais été baptisé. Nous croyons que l'Esprit de Dieu qui est sur l'Église répandra la connaissance et beaucoup prendront connaissance de la chose. Amen. Toi, tu peux te dire, non, moi je suis un ancien, j'ai déjà été baptisé. Mais nous allons voir, bien-aimés, quand on est baptisé, on doit suivre une certaine logique. Amen. Si tu n'as pas suivi cette logique,